aux environs du viaduc de deux opérateurs de Marseille. C'est René Siaci, qui était directeur à France 3 Corse, qui a posé comme idée de créer une chaîne spécifique à la Corse. On l'a autorisé à enquêter là-dessus, et c'est comme ça qu'il est venu me voir. Moi, j'étais en Sicile à l'époque, où je dirigeais le magazine Mediterraneo. Et il est venu me voir en me disant, voilà, on a un projet et on aimerait bien que tu réfléchisses à comment est-ce qu'on peut créer une chaîne de télévision dans le cadre du projet numérique terrestre en Corse. J'ai réfléchi et j'ai eu tout de suite une exigence. C'est-à-dire, j'ai dit, écoutez, moi je veux bien réfléchir à un projet de chaîne de télévision, mais pas numérique terrestre. Il faut qu'il soit par satellite ou sinon j'y réfléchis pas. L'idée de faire une chaîne de télévision corse m'intéressait, mais de relier cette chaîne de télévision à un objectif encore plus vaste, qui est de faire une chaîne de télévision méditerranéenne. Ce qui, encore une fois, justifiait encore plus la diffusion par satellite. Donc tout se rejoignait de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, bon, je travaillais tellement dedans que ça a été immédiatement, quand j'ai écrit le projet de télévision, à partir du moment où on m'a autorisé à ce qu'il soit au-delà des frontières de la Corse, bien sûr, j'ai intégré tout de suite la dimension méditerranéenne. La manière dont j'avais construit ce projet était axée sur la notion de développement économique de la région. Je présentais bien le projet en disant « mon but n'est pas de développer France 3 », c'est pas ça. Les électeurs et les citoyens, ils n'attendent pas de savoir si on développe France 3, ils attendent de savoir si on développe l'économie dans une région, le travail pour eux, etc. Globalement, je trouve que les objectifs qui avaient été assignés à travers le projet éditorial que j'avais écrit sont respectés. Le projet continue aujourd'hui, j'espère qu'il va continuer longtemps et qu'il va continuer à se développer. Si je devais même dire ce que je pense, j'espère qu'on arrive à faire des projets du même genre dans d'autres régions en France.